Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve, bah ouais, t'as vu on est le 8 et tu sais très bien à quoi on va jouer. On est parti sur Metroid Dread, le jeu de Nintendo avec Samus Saran. Je vais y arriver. Oh, j'adore le son direct dès le début là. Donc le jeu est disponible sur l'eShop au prix de 59,99€. Tu l'as en version démat et en version physique quoi tout simplement. Classe d'âge PEGI 12, on peut y jouer avec le Pro Controller. Au niveau des langues, je te passe tout, mais il y a le full bundle allemand, anglais, chinois, coréen et tralala. Et le jeu, une fois installé sur ma micro SD, fait environ 4 Go 3. Donc je vais pas te faire le speech de te présenter le jeu, puisque du coup on va découvrir le jeu ensemble. On va essayer de se faire un petit let's play découverte de 20-30 minutes, je sais pas encore. On va voir. Donc développeur, éditeur, c'est Nintendo et le genre. Metroidvania, évidemment, jeu d'aventure action et jeu de tir. Donc, pyro, l'organisme volant capable d'absorber l'énergie de leur proie en contact, créé à l'origine par les Chozo. Les Metroid tirent leur nom d'un terme Chozo signifiant guerrier ultime. Leur valeur en tant qu'arme biologique ayant provoqué de nombreuses crises, ils ont fait l'objet d'une élimination systématique. L'espèce est aujourd'hui éteinte. Le petit son épique là derrière, déjà ça commence très très fort, j'adore. Je vais peut-être pas vous faire toute la lecture, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Donc je viens de le lancer pour la première fois, on va voir ensemble un peu les mécaniques du jeu, le gameplay, tout ce qui est sound design, et tralala, la maniabilité, la jouabilité, tout ça. Enfin, vous connaissez un peu sur Agatha TV sans faire de Trafalgar. Voilà. Je suis pas un journaliste jeu vidéo, mais voilà, c'est le ressenti d'un simple gamer sur ce jeu. Les Metroid ayant disparu de SR388, la planète se retrouve infestée de X, d'horribles parasites capables de prendre la forme de n'importe quel être vivant. Ignorant ceci, je me suis aventuré sur la planète qui était infectée et j'ai frôlé la mort. La seule chose qui m'a sauvé fut un vaccin créé à partir de l'ADN de Metroid qui fit également de moi la seule capable d'affronter les X. J'ai pu mettre cette capacité à l'épreuve immédiatement quand je me suis rendu dans une station de recherche des laboratoires spatiaux Biometrics, BSL, pour enquêter sur un signal de détresse. Et là, elle affronte son clone. Là, j'ai affronté de nombreuses formes de X particulièrement redoutables, dont le SAX, une copie de moi-même dans ma combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Finalement, j'ai éliminé la menace X sur SR388 en déviant la trajectoire de la station de recherche BSL pour qu'elle entre en collision avec la planète. Après ça, les X et les Metroid n'étaient plus que des souvenirs, du moins c'est ce que nous croyons. Alors que tout semblait terminé, la Fédération Galactique reçut une mystérieuse transmission vidéo. Voilà, c'est quoi? On pouvait voir un X vivant à l'état sauvage. Magnifique. Des analyses poussées ont prouvé que la vidéo était authentique, l'expéditeur était inconnu, mais il a pu être déterminé que la transmission provenait d'une certaine planète. Ah, graphiquement, c'est beau, enfin pour l'instant. Hein. Le launcher, la cinématique est badass. Il avait un nom ZDR. Si les X avaient réussi à échapper à l'extinction là-bas, il constituerait une menace pour toute la galaxie. La Fédération Galactique envoyait une équipe de recherche de 7 EMMI pour mener l'enquête. Ou EMI, on va peut-être l'appeler comme ça, quoi, pour éviter. Donc ça, c'est les EMI. Les EMI sont des robots de grande taille conçus pour l'exploration, la capture de spécimens sur zone et l'extraction d'ADN. Leur extraordinaire mobilité et leur blindage produit à partir des matériaux les plus solides de l'univers devaient garantir le succès de la mission. Mais peu après leur arrivée sur ZDR, toute communication avec eux fut perdue. Bah, du coup, je vous fais la lecture. Voilà. Que se passe-t-il sur ZDR? La planète est-elle vraiment infestée de X? Comme je suis la seule à être immunisée contre ces parasites, c'est à moi de m'y rendre. Pour le découvrir. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR.
entrer dans l'atmosphère dans tes moins 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La cinématique de début est assez kawaii, assez jolie. On va voir un peu ce que le jeu donne à la découverte du jeu là. Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une vallée souterraine. Le signal sera celui de faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure que tu auras dans le fond pour que tu nous en contactes. Les objections, jeune dame. Un peu pourri d'avoir marqué jeune dame, ils auraient dû mettre Samus et puis voilà quoi. Est-ce que c'est lié à la traduction? Je sais pas. Ça sortit beaucoup. Bon, c'est parti. Oula. Ah, c'est sensible, hein. Ok, donc là, avec la gâchette de gauche, le joystick de gauche, si tu préfères, je manipule ça. Ça mue. Ok, avec B, je fais un jump. Voilà, pour le moment, c'est un peu jump. Y, je tire. X, ok, donc ça doit être une sorte de parade. D'accord. A est pas attribué. Donc L, c'est pour viser. R... Ah d'accord, c'est pour avoir une autre arme. J'ai 15 trucs, je vais voir ce que ça donne. D'accord. Et pour l'instant ZR me donne rien, donc on verra. Et la gâchette de droite ne sert à rien pour le moment non plus. Là ça s'accroche tout seul, d'accord. Donc c'est sympa l'effet de profondeur là comme ça là. C'est vachement bien fait, je trouve que c'est propre. On va voir un peu. Après à première vue c'est un peu pauvre. On va voir. Ah, écoutez l'effet. C'est vraiment énorme. On est vraiment dans l'ambiance là. Oh, les monstres sont assez bien modélisés. L'épisode que j'avais bien aimé, moi, c'était celui-là sur 3DS. Ok, donc là avec ZL, je peux glisser. C'est ce qu'ils ont dit. Ok, voilà. Super. Maintenez L pour passer en mode visé. Ouais, ok, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. Là, je peux pas, donc à mon avis, il va me falloir un truc pour déverrouiller. Ok. Là, il y a un truc. Ah, d'accord, ça vient dessus comme ça, tranquille. Ok, bon, là. Il y a quoi là? Oh, il y a ça, il y a ça. Oh, ça pue ça. Ah, non. Ah!
Ok. Voilà. On a réussi. Ça, ça sert à quoi ça? Vos munitions sont déjà au maximum. D'accord. Là, je peux pas y aller. Enfin, je me transforme en boule, je suppose. Sans spoiler le truc. Non. Comment on fait là? Ouais, voilà. Ok. Donc là, j'ai appuyé sur R, hein, comme je vous ai dit. Tac, tac. Voilà. Et pour glisser, j'appuie ZL. Ok. Bon. Pour l'instant, ça a l'air de le faire. Donc on a des phases de 3D, 2D. Je trouve pas ça époustouflant personnellement. Après j'ai pas lu les commentaires hein, sur JV et tout ça là, mais les critiques et les métacritiques, mais. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données que tu as envoyées. Donc là il appelle bien Samus et tout à l'heure il l'appelait jeune dame. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. Ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo, mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. La situation est délicate. Fais confiance à ton instinct en faisant route vers le haut. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. Reste à l'affût de moyens de regagner la surface. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN métroïde te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'y entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Bon, bah ça c'est fait. Bon, évidemment, bah, on va sauvegarder. On est là pour ça. Ok, pour ouvrir la carte. D'accord, donc là, ok, et si j'appuie sur moins, juste la visibilité, donc on va regarder un peu dans le système, les commandes, voilà, comme ça on va voir un petit peu, option, carte, riposte, tirer, saut, mode missile, glissade, mode visée libre, d'accord, élargir la mini-carte, se déplacer, ok, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, vibration, tac, 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 ok, bon bah c'est parti, on va voir. Bon, ça commence bien. Ok. Là, je peux pas. Ouais, là, c'est pareil. Ok. Oula, ça commence fort là. Ouais, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est la riposte avec X. Ouais, là, je t'ai baisé là. Moi je me suis fait baiser aussi. Hop. Bon, au niveau maniabilité, ça va là pour le début du game. C'est pas trop dégueulasse. Mais je trouve le jeu un peu pauvre. Alors je sais pas si c'est le début du jeu. Par contre, ouais, ça met dans l'ambiance. Hein. Le son, enfin, ça met dans l'ambiance. Le oh, comme on entend là. On se croirait dans un film d'horreur. Ok, donc là je fais juste une contre-attaque avec X. Tout simplement. D'accord. Là il y a un truc. Voir ce qu'il y a par là. Ah, là c'est bloqué pour le moment. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Donc là je suis sur le mur.
J'appuie et je traîne. Voilà, je rebondis. Impeccable. Je glisse avec ZL. D'accord, donc là il y a un truc. Si la zone de la carte clignote, cela indique qu'un objet y est caché. D'accord. Voilà, comme ça c'était caché. Donc l'objet c'était ça. Ok, bon bah pour l'instant. Merde. Ah merde. Bon bah tant pis. Oula oula. Donc on alterne sur les phases 3D et 2D. Est-ce qu'on va jouer en 3D un peu comme sur l'épisode GameCube? C'est la question. Ah ouais, les fameux EMMI là. Ah, celui-là est un peu broken quand même. Il y a le bras broken là, qui est un peu pété. Là, qu'est-ce qu'on doit faire là? On va le contrer, on va l'attaquer. Je sais pas, il va peut-être me le dire. Non. Glissade. Hop. Encore, on l'a esquivé. Putain, là, ça te met direct dans l'ambiance, quoi. Ok. On va lui péter sa race. Ah, il peut pas monter. Bah ouais, il avait le bras broken. Normal. Putain, le son dans les oreilles, là, c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe là? On a un level up d'armes du genre, non? Bon, vas-y, ça serait bien là pour commencer le game. Le câble. Le jeu fait pas waouh sur Switch. Bon, ça... Enfin, je m'attendais un petit peu mieux de Metroid. Après, voilà, je veux pas, pas le défoncer, mais j'ai pas l'effet waouh, je suis sur Switch quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok. Là, j'ai un viseur, d'accord. Ah, je... ah d'accord, donc là j'appuie sur L et R et sur Y pour lancer la charge, d'accord, super, j'espère que je vais le garder ça, très bien. Qu'est-ce qui va se passer là? J'ai un assaillant là. Oh merde. Oh, je vais démonter la gueule, allez BAM. Ça c'est bon ça. Ah non. Oh non, je garde pas mon arme. Oh putain. Ah puis l'EMI il a été désintégré. Ah ouais. Ah ouais. Oh c'est la merde. Ah bah non, je suis pas d'accord moi. Ah là il est pété, d'accord. Je sais pas pourquoi il s'est pété. Hop là, hop. Hop hop. Donc pour l'instant ça reste assez simple niveau labyrinthe, mais c'est très labyrinthique. Un peu la merde Metroid, si tu. Si t'as pas la carte dans la tête, voilà. Ok super. Ah oh, ça j'adore le. Celui-là sur 3DS je l'avais aimé mais à mort. Après, dites-moi dans les commentaires votre épisode préféré de Metroid. Moi celui-là sur. Non là y'a rien. Là je glisse. Ah y'a de la flotte. Donc là il y a un truc. Ok. Ah, c'est comme tout à l'heure. D'accord. Donc du coup là je peux plus glisser puisqu'il y a de l'eau. Ça doit venir de là. Ah là, là. Oula. Petite baisse de framerate là. Là c'est un mur. Ok. Vas-y rentre. Ouais, c'est pas ce qui se passe. Ah. Ok. Oula oula. C'est quoi ça? Oh ça pue ça. Oui. Je peux bouger avec elle. Je peux zoomer. Non. D'accord, je zoome. Hop. Bah là c'est là où je viens. D'accord. Là il y a une zone. Tac tac tac. Curseur rapide. Ah oui je peux mettre des curseurs. D'accord. Bon B retour. Ça c'est quoi ça? Ah je peux quand même... Ah ok mais je vois pas ce que c'est. Bon on verra après. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah, je peux pas rentrer. Je peux pas sortir. D'accord. Là il y a une zone froide mais j'ai pas l'air de prendre... Oh putain. Comment je vais faire là? Ok. Oula oula. Un EMMI encore, un EMI. Oh ça pue ça, ça va être encore un... Bon sinon niveau jouabilité, il n'y a rien à dire pour le moment. La prise en main, je l'ai assez facilement. Je suis pas sur les Joy-Con, je suis sur le Pro Controller. Il y a la petite glissouille pour le niquer, impeccable. On va peut-être lui niquer sa race comme ça. Hein. Ah non. Ah. Ah putain. Ah je suis deg.
Oh, il y a le son qui te met direct dans le truc là. Ah, oh, d'accord, il va. Ah, oh, bah ok. C'est un toutou, il va nous faire chier. Il faut trouver une porte de sortie. Voilà. Oh le bâtard. Wow, c'est quoi ça? Oh le bâtard. Ah merde. Merde. Ah j'ai mouru. Ah non j'ai mouru. Oh non. Allez c'est reparti. De ah, toute façon j'aurais pas mouru hein, c'était pas normal. Par contre si je dead à chaque fois je vais me taper la cinématique, c'est un peu relou. Sachant que je peux pas cut la cinématique comme ça. Enfin, au montage vidéo oui mais pas... hop. Ok. Oh putain. On peut esquiver mais là j'y arrive pas. Hop, bon là je peux pas y aller là-haut. De toute façon je frappe au choix. Là je peux y aller, ok. Là. Ah nickel. Ouh, j'ai eu peur. Là je suis arrivé dans une autre zone. Ok, impeccable. Ah ça pique. Ah je suis mauvais, ah je suis mauvais. Ok super, j'ai récupéré 2 missiles en plus donc j'en ai 17, ça me servira un petit peu plus tard. Il y a quoi par là? Ah, on prend le save? Non je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Envoie les données. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément du protocole de poursuite est de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décellées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Ah oh bah ça fait plaisir. C'est pour ça que j'ai pas réussi quoi. Une possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie. Ok, c'est le jeu du chat et la souris quoi. Dans les zones ennemies, ta priorité absolue doit être la survie. Et du coup, il me faut le gros pétard que j'avais au début. Ouais, on save. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, donc du coup, là, pareil, il me faut un pétard. Bah ouais, tranquille, là, je peux rien. Ok, on va voir, on continue. Pour l'instant, ça va, je m'éclate assez. Ah... Ah, par contre c'est super sensible quand même hein. C'est super sensible.
Qu'est-ce que j'ai fait là? De la merde? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Je pensais que j'avais fait de la merde. Alors, là, il se passe quoi là? Oula, une nouvelle zone. Un nouveau. Ah! Ok. Bon. Donc, je suis là par rapport à la carte. J'étais là où je suis descendu. D'accord. Là, il va y avoir un toutou. Évidemment, pour me faire chier, ce sera trop simple. Là, je peux pas rebondir. Non, pour l'instant. Là, ce qui va être bien, c'est quand je vais avoir le truc gluant là. Enfin, j'espère. Comme sur 3DS. Il y a quoi là? Est-ce qu'il y a un ennemi? Ah, oh, il y a un ennemi là-bas. Oh le bâtard. Ah, c'est chaud ça comme toutou. Ok, là, tac, tac. De quoi par là? Hop. Ah, pas trop le choix, hein. Oh putain, puis il vient par là. Oh là là, non mais quel enfer. Oh, casse-toi. Ah, il vient pas, il me poursuit pas. Merde. Oula. Ah, il vient pas dans l'eau. Ah, il a pas l'air de venir dans l'eau. Uff. Bon, il vient pas dans l'eau déjà, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas où j'ai été, mais là c'est du pifomètre. Hein. Ok. Ça c'est fait. Ah, ouais, nickel. Là, je peux pas y aller, je peux pas me mettre en boule. Ah, un autre point de save. Je pense. C'est ça, on accepte. Ça m'évitera l'ennemi là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc là, il y a un truc là-haut, mais pour l'instant, j'y ai pas accès. Pareil, voilà. Il va falloir tout se refaire après. Là, je peux pas y aller. Ok. Oh là là. Pas y aller non plus. Oh, putain. Je suis déjà perdu, là. Là, je peux pas y aller. Là-haut, c'est pas la peine. Après, si tu connais les Metroid, je pense que t'es pas trop trop perdu. Hein. Hop. Ah, viens par là. Allez, hop, 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 on y va, on y va. Bon, sinon, mon ressenti au début du jeu, c'est... Ouais, j'ai pas ma claque. Je m'attendais à mieux. Après, on est sur Switch et j'ai l'impression que... Y a pas masse d'efforts. Comme je vous ai dit, l'épisode sur 3DS, je le trouvais beaucoup plus badass que l'épisode que je suis en train de jouer sur Switch. Sachant que la Switch peut donner mieux, on l'a vu avec Zelda. Donc je sais pas ce qu'ils ont branlé. Mais sinon, au niveau du jeu, ça va. Après, si on prend le jeu en lui-même, ça va, quoi. Donc là, je récupère quoi, là? D'accord. Ataria, d'accord. Carte de zone téléchargée. Ok. Bah évidemment. Au niveau de la durée de vie, je dirais entre ouais, une vingtaine d'heures, 20-25 heures je pense de jeu. Peut-être moins si... merde. Comment je vais faire là? Ah putain. Ouh. C'est chaud là. Je sais pas du tout où je vais. Ouah, je retourne là. Non 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 non. Ah, merde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Casse-toi. J'ai envie de te voir.
Oh, je vais encore mourir, vas-y, c'est pas la peine. Là, il y a un truc, je peux rien faire. Ah, là, je peux glisser. Du coup, je me retrouve là. Là, je peux pas y aller. Ah, putain, il me saoule. Voilà, il y a de l'eau. Je glisse. Ok, ah, allez, hop, casse-toi. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. D'accord. Ah, une nouvelle zone. Attention, qu'est-ce qu'on fait là? On se recharge. Ah, ok. On reprend de la vie. Par là, il y a quoi là? Il y a ça. Ok, bon, on va voir un tour. On va faire un tour par là et on verra bien. Merde, oh, j'ai pas vu ça. Ah merde, ah c'est n'importe quoi. Bon bah là j'ai intérêt à faire attention. Hop. Pour l'instant c'est n'importe quoi, je peux pas y aller. Donc là je peux pas retourner là-haut évidemment. Ah. Ok, on va aller que par là, on va aller par là. Hop. Là, je peux aller par là, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, 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 ah! Non. Comme ça. Oh oui! Oh oui, c'est... Oh, c'est beau. Merde, évidemment. Ah, si tu rates la parade, tu l'as dans le cul. Hein. Ah, oh putain, merde. Ok. Là, je peux pas pour l'instant. Ah, ah, nickel! Oh, putain, du lourd. Rayon de charge obtenu. On va pouvoir level up Samus. Le rayon de charge, d'accord. Concentre l'énergie du rayon pour déclencher un tir puissant. Maintien Y enfoncé pour charger, puis relâcher pour tirer. Les tirs chargés infligent des dégâts aux ennemis insensibles aux rayons normaux. Comme les robots et les boss, ils peuvent aussi ouvrir les portes. Rayon attaque, nanana. Samus peut réaliser une attaque chargée en effectuant un salto lorsque le rayon est complètement chargé. Ok, alors attends. Ah oui, d'accord, on peut faire un salto. Excellent, excellent, on va voir. Ah, ça m'a déjà donné un peu plus de peps au jeu là. Impec. Bah du coup je suis revenu au début du jeu. Ah ouais, d'accord. Allez, cool là, hop. Impeccable, ça m'évite d'utiliser les missiles. C'est pas plus rapide, sincèrement c'est pas plus rapide. Et c'est... Donc du coup maintenant je peux péter les robots par contre. Ça c'est bon à savoir. Hop. Ah oui d'accord. Du coup je peux... maintenant je peux faire ces zones là où je pouvais pas les faire tout à l'heure. Impeccable. Oula, c'est quoi cette merde? Ah oui. C'est la merde qu'on a vu tout à l'heure là qui lance des trucs qui puent la mort. Non, je peux pas pour le moment. Non, là pour l'instant c'est mort. Là je peux pas non plus. Ok, on va faire ça. Ah si, je peux. Oh, excellent. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Ouais, ça aurait été trop beau. Évidemment, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Réserve d'énergie obtenue, capacité d'énergie augmentée à 100. Excellent ça. C'est du bon. Ah, ça level up direct, hein. Dès que tu trouves un truc. Et je sais pas ce qu'il y a comme option, mais j'espère qu'il y a l'option collant là. C'est-à-dire que Samus, ça se met en boule et c'est archi collant de partout, c'est archi bien ça. Ça te permet d'aller où tu veux. Ouais, je voulais pas contre-attaquer. Ah, du coup, je me retape le niveau. Ah ouais. Hop. Oh, ça me saoule. Pédale. Oh. Hop. Ah ouh, ah ouh. Oh, celui-là était bon celui-là. Oh oui, il était bon celui-là. Ah, par contre là non, il n'est pas bon. Ah putain, j'y arrive plus.
Ah mais qu'est-ce que je branle? Vas-y, bah il va me défoncer là. En train de perdre tout là, 19. Voilà. Ah j'avais du mal avec le but. Hop. Bon nickel, nickel, nickel. Que du bonheur, que du bonheur. Du coup par là ça me donne rien, mais et si est-ce que ça me donnait quelque chose de retourner par là? C'est la bonne question. Oh, peut-être ouais. Donc là c'est là où on s'est fait attaquer par le MI. Le premier MI. Ah ben non, ça me donne rien. Vas-y, j'attaque tout moi. Vas-y, je suis un fou. Hop. On y va. Ah, une fois que t'arrives à te... Ah, un petit peu de baisse de framerate là. Hein. Un peu de... Oh là là, oh là là, oh c'est ça là. Là, tu l'as vu là, hein, la baisse de framerate. Ouais, c'est pas bon. Hein. C'est un peu dégueulasse. Hop, on va sauvegarder. Accepter. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses de ce Metroid Dread. Peut-être que je suis un petit peu trop méchant avec ce jeu là. Peut-être que. Enfin voilà, moi je dis ce que je pense. Après, je suis pas payé par Nintendo. Hein. M'en balèque en vrai. J'ai le droit de dire ce que je veux. Ouais. Donc là, je peux pas y aller. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Un méchant? Ça pue là. Ça pue le boss. Oh putain, puis il y a l'autre là. Est-ce que je vais pouvoir lui péter les reins? Merde. Ouais, on va voir si je peux lui péter les reins à l'autre. Il va me sniffer là. Eh merde. Oh le bâtard! Oh le bâtard. Oh putain. Et on peut faire des parades, mais ce qu'il disait c'est qu'à 99% tu pouvais pas les niquer. Mais il faut que je regarde si y a pas moyen de faire une parade sur ce putain de Amy là. Casse les couilles quand même. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça sent le boss. Un des premiers boss, enfin pour moi ça sent l'un des premiers boss. Le truc qui va me casser les couilles encore. Vas-y, viens par là. On va voir si je peux le niquer comme ça. Il a dit qu'on pouvait essayer. On va attendre. Oh bâtard. Je peux pas. Je me suis fait capturer. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, j'ai essayé autrement. Donc du coup, on a essayé, ça le fait pas. Donc c'est que sur les petits robots qu'on a vus. On pourra passer ça. J'aurais essayé. Donc ça se trouve, si lui, on le nique tout à l'heure, peut-être qu'on aura pu les EMI sur la gueule. Peut-être, hein. Je dis ça, je dis rien, puisque je commence le jeu. Mais c'est ce que je me dis. Et merde. Le truc à pas faire. Ah, j'adore la chasse. Ah, au jeu du chat et la souris. J'adore. J'adore. Du coup. Mais non, ça, j'y suis déjà allé par là. Ok, vas-y, bah, amuse-toi par là. Comment je vais faire, moi? Là je suis perdu un petit peu là. Oh putain, je suis revenu au début. Oh la gueule. Bon du coup je l'ai semé mais ça c'est une sorte d'ascenseur mais comment je peux faire là? Je peux rien faire. Elle va me casser les reins. Voilà, voilà c'est chaud là. Et on va essayer d'esquiver. Par là, hop. Ah putain, j'y arrive pas. Là, on voit qu'elle essaye de contre-attaquer, mais j'y arrive pas. À mon avis, il y a peut-être moyen de le monopoliser. Paf, toum, toum, toum. Et je sais pas, là, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Ça me saoule.
Bon, on va essayer encore une fois, de toute façon on va arriver dans les 20-30 minutes de gameplay. Et on verra si on continue ou pas l'aventure, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moyen d'aller plus loin, on va voir, hop. Il y a peut-être moyen. Oh franchement, ouais, si la durée de vie est assez longue, ouais pourquoi pas, il vaut bien ses 60 balles. Là je peux rien faire. Et merde. Ah putain, c'est une vraie purge hein. Ah non. On voit bien qu'elle veut contre-attaquer, mais on peut pas. Faut un timing bien précis. Hop, on va y arriver. Alors je sais pas quand, mais on va y arriver. De toute façon, on va essayer quelques fois et puis on verra. Le tout, c'est que j'arrive pas dans leur viseur, mais comme là, je suis un peu perdu sur la map. Est-ce que je peux? Ouais, mais non, par là, ça me donne rien. Ça me donne par là-haut. Là, j'y suis déjà allé. Yaou yaou. Peut-être aller par là. Ah non, il veut pas là. Ah ok. Bon, bah il veut pas. On va pas lui prendre la tête plus que ça, il veut pas. Et là il veut pas. Oh, vous avez vu l'animation derrière? Ouah, c'est excellent. Ok. Ah oui, bah oui, maintenant je peux y aller. Complètement, c'est pour ça qu'il a pas voulu que je tourne en rond depuis le début. Excellent. Maintenant je peux y aller là. Voilà. Là j'ai ouvert la zone. C'est gentil ça. Merci. Ça pue quand ça? Ah, on va viser. Hop. Merde. J'ai réussi à l'avoir. Avec du mal, mais j'ai réussi à l'avoir. Ok, j'ai augmenté de 2 missiles encore. C'est impeccable. Même si j'aimerais un petit peu plus de pouvoir. Que je peux faire quelque chose là. Oula, il y a des monstres, des nouveaux monstres là. Je sais pas comment ils attaquent. Ça pue ça, ça pue. En plus j'en ai deux. Merde. Voilà, et là j'ai joué un petit peu mal quand même. Hein. Pas terrible, terrible. Hein. Donc là il y a un bloc, mais ça je peux pas le péter pour le moment, je vais essayer, mais à mon avis c'est mort. Ouais, c'est mort. Comme là il y a la surface bleue, je sais pas ce que c'est. Oula, il fait froid. Et du coup il m'avait dit de pas trop. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique là. Hein. C'est magnifique. Ouh, vous avez vu un peu? Là, le petit zoom, on arrive là. Bam, direct, écran large. C'est magnifique. Merde, évidemment. Et merde. Je vais me faire niquer. Ouais, donc là. Oula, oula. Merde. Ah oui, merde. Ah bah là, c'est pareil alors. Merde. Non, mais là, c'est pas la peine, je pense. Ouais. Ah, c'est pas la peine. J'ai pas le bon équipement, c'est pas la peine. Et par là, il y a quoi? Oh putain, ah ouais, tout est fermé. Bon, au moins, au début, tu peux pas trop te perdre. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Non, franchement, je m'éclate bien, mais je m'attendais quand même, je le redis, à une claque un petit peu plus graphique sur Switch. Quand on voit la hauteur de Mario, de Zelda et tout ça, là, je me dis qu'ils se sont un peu contentés du minimum. Et merde. Ok, allez, casse-toi toi. Et merde. Par là, il n'y a rien. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose qui clignote ou je sais pas quoi. Non, c'est bon.
C'est juste un ennemi comme ça pour faire chier quoi. Ah. Qu'est-ce que je vais récupérer là? Le flux du carburant thermique a été redirigé. D'accord. Donc ça m'a peut-être ouvert des zones. Waouh. Ah, toutes les portes sont ouvertes comme ça alors maintenant. C'est peut-être ce que ça veut dire. Ah. Voilà, le timing n'était pas là. Hein. Putain, non mais c'est pas possible. Oh la plaie, la pure, putain. Casse les couilles, hein. Là je peux pas. Ah bah non, je peux pas. Et merde. Ah, je peux rien faire là. Oh putain. Ah, oh, je suis deg. Ah oui. Oh, c'est long. Ah, il faut vraiment. Donc là, la porte elle a été ouverte. D'accord. Je sais pas ce que ça va me donner. Qu'est-ce que ça va me donner de plus? Ça, je comprends pas. Ok, j'ai ouvert des portes, mais. Par là, ça me donne rien. Ouais, d'accord. Ça me donne rien de plus. Vas-y, il me saoule là. Hop, hop. Donc là, pour l'instant, ça me donne rien de plus. Là, bah ouais, j'en viens de... par là, ok. Voilà. Là, on va sauvegarder. Du coup, ça m'a... on a redirigé le flux, ça m'a ouvert certaines portes. Donc, je pense que là où j'étais bloqué dès le départ, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retrouve les portes, quoi. Ça fait plaisir. Putain, j'ai pas le time là. Ok. Là, je peux toujours pas. Là, c'est pas la peine. Ah, putain. Nickel. C'est long. La femme, elle est à l'envers. Voilà. Du coup, là, on a quoi par là? Bah non, parce que je reviens de par là. Ah ouais, non, mais ça sert à rien. Ok. Donc, il faut bien retourner par là. Et là, la porte... Eh, mais là, la porte, elle s'est pas ouverte, là. Oh, l'arnaque. Ah ouais. Putain, il y a un truc, là. Ah non, c'est pas... Ah, je fais comment, moi? Ah, c'est pas drôle. Je suis baissé, en fait. Oh la gueule, qu'est-ce que j'ai à branler encore? Envoie les données. La base de données de la Fédération ne contient aucune trace de ton assaillant. Cependant, il y est fait mention d'une tribu de guerriers de Chozo. Il est très possible que les deux soient connectés. Tu as vu l'architecture et les artefacts de la tribu de guerriers sur cette planète. Tout indique que c'était une de leurs colonies. Mais pourquoi quelqu'un te guiderait ici et enverrait les amis te pourchasser? Il se peut que les images du parasitique s'étaient mises en scène pour t'attirer. La situation reste floue, mais ta priorité n'a pas changé. Tu dois regagner le vaisseau. Tu as activé le système d'alimentation en magma. Les portes thermiques fermées sont à nouveau opérationnelles. Cherche-les pour avancer. Continue de chercher l'énergie singulière que tu as utilisée contre le premier ennemi. C'est ton seul moyen de leur tenir tête. Malheureusement, cette énergie est limitée. Tu as peut-être remarqué qu'elle se dissipe après la destruction d'un ennemi. Il y a encore 6 ennemis qui cherchent à t'attraper. Tu n'as aucun moyen de les affronter. Souviens-t'en. Bon voilà, en fait, on a redirigé le magma. Du coup, les portes qui étaient closes sont ouvertes. Tranquille. Et maintenant on sait qu'avec la putain de source qu'on a, on peut tuer les ennemis et qu'on a 6 ennemis, donc on a potentiellement 6 sources à trouver pour les niquer.
Voilà. Donc on va se laisser là-dessus sur Metroid Dread. Donc au niveau gameplay, tout ça, j'ai rien à dire. Niveau maniabilité, j'ai rien à dire. Là, vous avez vu un peu mon let's play. J'ai pas trop merdé sur les commandes et tout ça. Bon, après, c'est des problèmes de timing et tout. Et comme je vous l'ai dit, quand tu regardes une vidéo, bah tu parles et en même temps tu joues, donc t'es pas à fond dans le jeu, quoi. Ok, bon, ça c'est à prendre en considération. Mais sinon, la maniabilité elle est super bien et tout. Graphiquement, donc là, moi je joue sur un écran 4K. Là, je suis docké. La Switch envoie du 1080p. C'est sur un écran 4K. Bon, voilà. Après, à voir ce que ça donne en mode portable, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ce que j'ai sur mon écran, je trouve pas ça. Je trouve ça un peu fadasse. C'est pas le waouh que j'ai eu sur Zelda ou sur d'autres jeux, sur Mario et tout ça. Donc je suis un petit peu déçu, je m'attendais, Metroid, voilà, c'est une putain de licence. Et au dernier que j'ai joué, bah, c'était quand même énorme, quoi, sur 3DS. Et là, je me dis, ah ouais, c'est tout. Enfin, voilà, quoi. Je m'attendais un petit peu mieux, quoi. Hop. Évidemment. Donc voilà, par contre, sinon... Ah, vas-y, c'est ouvert, casse-toi, voilà. Ah oui, d'accord, bah, je suis déjà arrivé par là. Sinon, je pense qu'au niveau gameplay et hors de jeu, il y a ce qu'il faut. Et là, on sent bien la pression des ennemis et tout ça. Franchement, c'est archi badass. Il met en haleine. On a vu, il y a plusieurs zones. Donc, ça va annoncer du lourd. On a plusieurs types d'armes et tout ça. Donc, pour moi, c'est que du plus. Après, est-ce que c'est... pour moi, c'est pas le meilleur jeu de l'année. Mais c'est un bon petit jeu à faire. 60€, je trouve ça un peu cher. Je sais que les jeux Nintendo, c'est toujours ce prix-là. Mais à 45 boss, ça le fait. Donc, si t'es un grand fan de Metroid, prends-le. Voilà, je te le dis. Par contre, si tu peux attendre, attends et prends-le d'occasion pour 40-45 balles et fais-toi plaisir. Voilà, donc c'était mon premier test sur Metroid Dread sur Nintendo Switch. Le jeu sort le 8 octobre 2021 et c'est uniquement sur Nintendo Switch. Voilà, donc là, on a fait quelques minutes ensemble. Vous avez pu voir le début des niveaux et tout ça et ce que ça donnait. On verra si dans les commentaires vous voulez qu'on continue gameplay ou pas. Je verrai aussi si je continue sur Twitch ou pas. Et je vous dis à la prochaine sur Agatha TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.